Sinon, les gens sont calmes. Laissez Madame constituer son gouvernement avec les gens qui vont l'aider à visualiser la vision du chef de l'État. On ne peut pas prendre tout le monde dans un gouvernement de 10. Ceux qui seront là pour aider le chef de l'État et la gouverneure du Lualaba. Sinon, chez nous, Lualaba, il n'y a pas de tension. Les gens sont calmes, ils sont posés, ils attendent à bras ouverts ce gouvernement. Puis à sortir au gouvernement. Bantu bote biko kimya, tuko na chunga sorti ya gouvernement, tuko na chunga bras ouverts, mikono wazi. Bantu bote bezu kutoka ku gouvernement. Bale batatoka juu ya kusaidia chef de l'État. Ku consolider bile tulianza, ifoto bifikisha kumwisho. C'est ça. Dire qu'il y a des tensions, c'est faux. Il n'y a pas de tensions. Hakuna makele, les banques peuvent calmer. Merci beaucoup. Merci. De Francine Kawen. Elie de Lubudi, dans la province du Lualaba. Merci. Nous avons déposé une seule candidature. Et par la même occasion, je demande aux uns aux autres d'utiliser la voie de la sagesse. Le peuple nous a pardonné le mandat pour venir étaler nos disputes sur la place publique. Nous faisons un grand effort pour respecter notre peuple. Notre candidat est connu de tous les membres de l'IDFS. C'est André Tchoumbaye, qui est à ma droite, à qui le parti a fait confiance pour nous représenter au bureau de l'Assemblée. Ce que je peux vous dire, s'il y a une autre préoccupation, je suis à votre disposition pour vous. Hier, on vous a dit honorable, il y a un point de divergence ici à l'Assemblée nationale sur les différents postes. Est-ce que les députés nationaux membres de l'Union Sacrée iront en indépendance ou bien ça sera seulement les candidats dont le président vous avez, a décidé. Vous avez bien précisé votre question. Est-ce que certains iront comme indépendants ou bien c'est ça votre préoccupation? Oui. Mais le règlement intérieur de l'Assemblée nationale est clair. Même les députés savent très bien qu'ils ont été élus sur la liste d'un parti politique. Les restes là, ce sont vos commentaires ou de la presse. Je ne sais pas même quand vous parlez de la crise. La crise par rapport à quoi? Chacun de nous est conscient de ce qu'il pose comme acte. Je viens de vous préciser ici que nous, l'IDPS, nous sommes la première force politique de notre pays pour cette législature à tous les niveaux. Nous sommes la première force au niveau de la députation nationale, provinciale, sénatoriale. Nous sommes la première force. Si on n'avait pas tenu compte des autres, ou utiliser la voie de la sagesse, on pouvait occuper tous les postes. Tout le monde le sait, ce n'est pas un cadeau. Ou bien à l'IDFS, on manque la crème intellectuelle qui pouvait occuper ces postes-là. Puisque la personne que nous venons de définir, c'est un professeur de l'université. Cela veut dire quoi? Il peut même être président du bureau de l'Assemblée. Il n'y a aucun problème. C'est la raison pour laquelle nous sommes en train d'exhorter les uns les autres de comprendre qu'il faut utiliser la voie de la sagesse au lieu de créer une crise artificielle pour leur intérêt personnel. L'IDPS se bâtit pour notre peuple et l'IDPS restera toujours derrière la population.
L'autre fois, quand j'avais désisté pour ne pas être candidat à ce poste, certains même m'avaient traité de fou. Et aujourd'hui, ce sont les mêmes qui commencent à me donner raison. C'était un enseignement de montrer aux autres que non, même si je n'occupe pas un poste officiel, je dois toujours vivre. Il faut privilégier l'intérêt général que l'intérêt personnel. Voilà en résumé ce que je peux dire. Merci beaucoup. Merci. C'est moi qui vous remercie. Merci, cher. Merci. 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 Merci.